dès à présent et pour toujours. Amen. Amen l'Église. Amen. 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 On n'a pas pu garder position de silence pendant la réfité. Pasteur Barthélémy capable de prendre quoi, et c'est lui-même qui va dire ainsi par l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés de l'âme du Seigneur, que la gloire de Dieu soit avec vous tous. Amen. Criez avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Balancez-moi de ça, dis merci Seigneur. La blogue est moule qui t'a remercié ça, qui t'a remercié de même pour aller, mais on va m'avoir. Mais le Seigneur, fort grâce ce matin, levez-moi, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il est plus fort, dit Alléluia. Alléluia. Ah, on fait ça avec un peu de révérence, un peu de respect. On va aux citoyens pour ça. Est-ce que je chita pour saluer un grand citoyen pour ça? Le vétéran en l'air à nous dire Alléluia. Alléluia. Alors, sous tes corps. C'est pour questionner tis mater, mais sous question des chrétiens. On va sous question des chrétiens, mater, chrétiens. Le christianisme, crie avec moi Alléluia. Alors Seigneur, on dit Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, ou même mon Dieu protégé pendant le confinement. Mon Dieu gardé au Kabati. Et pénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. On a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai. Les seuls, dans la parole, il me dit mon âme. Béni l'Éternel, que tout ce qui est en moi. Bénis son Seigneur, mon âme, et l'Éternel, et n'oublie aucun de ses, et n'oublie, priez moi, et n'oublie, Alléluia, 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 Recevez-vous. Je vais ouvrir le Bible ensemble avec moi. Hein. Dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, sur quel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous. Maintenant, je voulais parler ensemble avec vous de l'expérience de la plénitude en Christ. Ce sujet
que nous venons partager ensemble avec vous maintenant. Dans quelques minutes, d'approcher ma prêcher nous, parce que bien longtemps, il va vous prêcher ici. Bien longtemps, longtemps, longtemps. Vous prêchez deux fois ici seulement. Vous pensez que c'est une chose que vous avez? Ça veut dire que je ne vais pas venir. Maintenant, je voulais parler ensemble avec vous l'expérience de la plénitude en Christ. Bien, vous l'avez écrit, vous pouvez écrire ça. Et vous trouvez lui dans le verset 19, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Livre Éphésiens, il écrit dans les années 62 après Jésus. Nous la même. Il écrit en l'an 62 après Jésus. Finalement. Et le Nouveau Testament écrit en l'an 30 après enlèvement. Jésus-Christ. Nous venons écrire le Nouveau Testament lorsque Christ en vie. Je ne vais pas perdre personne là. Vous l'avez avec moi? Allez bien, parlez-vous. Le Nouveau Testament écrit en l'an 30 après Jésus-Christ monté la carrière. Livre Éphésiens lui-même écrit en l'an 62. Non là. Auteur lui ça, vous oubliez ce pour nous. Auteur lui ça, c'est Apôtre Paul. Non là, amen. Amen. Très bien. Et thème livre là, c'est Christ et l'Église. Elle dit, Paul pote accent à l'Église dans livre Éphésiens. Mais maintenant, je vais vous avec vous en long et en large de livre Éphésiens. En pile l'école de pensée, tirer quatre points de livre Éphésiens. Premièrement, ça fait aussi, il y aurait les livres Éphésiens. C'est parce que ils ont considéré comme livre le paulinisme. Ça veut dire que c'est Paul même qui prend plume ni écrit livre Éphésiens. À l'époque que Paul écrit et le livre d'Éphèse et le livre Éphésiens avec les chrétiens d'Éphèse, laissa Paul dans la prison à Rome. C'est nous la même. Paul dans la prison qui mort à Rome. Et pour ça, c'était Romain qui t'a dirigé, qui t'a mené. C'est ça fait là, et premier épître de Paul là, ou après l'introduction Paul fait, Paul dit, moi, le prisonnier de Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons compris? Et au lieu, Paul t'a dit, le prisonnier de Néron, mais Paul dit, le prisonnier de Jésus-Christ. Pourquoi ça? L'ennemi on prend ou les mettons en prison, c'est pas où pral mourir, non? C'est pas où ka mourir, non? Est-ce que là, hein? Ça veut dire où pral mourir? Ça veut dire déjà mourir. A fait sortir, pas que ça mourir. Et c'est là ça, Paul lui-même, lui propre lui, lui écrit les chrétiens d'Éphèse. Pas moi, c'est de nous ça ici, déjà. C'est que quatre façons, Néron, t'es qu'on régnait, qu'on le fait chrétien, régner foi. Premièrement, Paul et Néron, qu'on a choisi et donne toute lumière dans la ville-là. Et puis le grand chrétien, il marre dans la photo, et puis il met le feu sur lui pour éclairer la ville-là. Là, le bon qui vient faire.
ou à l'aise. On va regarder qui costume, ou métier, on va regarder d'abord garder vos discours. Non. Ce n'est pas un héros, un héros comme ça. Et deuxième façon de Paul et Néron, c'est qu'on fait chrétien pour régner le royaume. Et qu'on choisit pour nous. Et qu'on mette au coucher. Et puis prend une lime. Et puis la scie. La scie. On va le faire en deux. Jusqu'à ce que nous. Et troisièmement, ça va le faire. Et qu'on prend le chrétien, il faut un trou en profondeur, on va le mettre, et puis, il s'y met, si haut sous tête, et puis après ça, la chercher fourmi piquant, et puis, mettez dans la tête, pour manger crâne tête, jusqu'à ce que vous avez côté, on va faire des moyens pour le boucher. Ça veut dire, mais comment, Néron, t'es con, mais les chrétiens. Et bien, bon, vive l'évangile. Vive l'évangile. Et ça, non, vive l'évangile. Vive l'évangile. Oh, pourquoi les matins ont passé qui se voient ça? On doit à l'aise. La maison, j'ai envie de dire ça. On doit à l'aise. Vous passez toujours à l'aise? Vous passez toujours à l'aise? C'est ça, perdu, les pasteurs. Et si pasteur qu'on est prêt à faire mariage, là, deux garçons, on va parler de homosexuel parce que nous disons que nous avons homosexuel là. Deux garçons ici, pour faire mariage, deux femmes ici, c'est le premier monde qui va le camper en quoi en face par ce pays. Est-ce qu'on là, hein? Est-ce qu'on là, hein? Je ne sais pas si l'autre monsieur a campé en quoi, mais moi-même, c'est le premier monde qui a campé en quoi pour me dire non, ça m'a fait. Parce que souvent, dans nos prisons, moi-même, je choisis. Pour maintenant vous voir. Est-ce qu'on là, hein? Amen. Tout à l'aise. Je suis tellement à l'aise, ma pointe moune qui chita à côté de là. Je suis tellement à l'aise, on peut même regarder les rats nous m'aider. Je suis tellement à l'aise, 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 on peut faire tripote là pour me parler pour le mal. Je suis tellement à l'aise, je suis tellement pour manger, pour manger. Je suis tellement à l'aise, je suis pour me faire critique. Sous Néron, je ne pas tout ça. Et c'est ça fait le livre là, le polynisme. Deuxièmement, le bail, non. Deuxièmement, le bail, livre et fait ça. Il y aurait le livre, le Josué du Nouveau Testament. En vrai, on vient de dire que la clé. Du polynisme. Premièrement, comment vous voulez là? La clé du polynisme. Vous voulez mettre avec moi? La clé du polynisme, ça veut dire c'est Paul même. Amen qui écrit là. Et deuxièmement, vous voulez là? Le Josué du Nouveau Testament. Pour vous savoir le Josué du Nouveau Testament, si Josué lui-même t'aimait le peuple là dans la terre promise, l'évangile lui-même, ça l'a fait l'amener nous, non? Amen. Qui va? Qui va l'amener nous? Amen. Qui ça va dire, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Rien de Josué du Nouveau Testament. Troisièmement, il y aurait les livres Éphésiens, le psaume évangélique. L'homme de la caille au point titan, et le premier chapitre, le deuxième chapitre là, on prend le côté que Paul a fait accent de la louange. De la louange. On prend la célébrer la grandeur de Dieu. Il y a premièrement, Dieu aurait l'élite, la clé du polynisme. Deuxièmement, il aurait l'élite, le chaussure du Nouveau Testament. Et troisièmement, il aurait l'élite, le sort évangélique. Quatrièmement, il y aurait les livres. Et le testament spirituel. Le testament spirituel. Ça veut dire, Paul n'a pas gagné l'argent pour le quitter pour nous. Est-ce qu'on avait moyen? Il n'a pas gagné le bel caille pour le quitter pour nous.
Mais elle t'a quitté les vents. Ça a quitté pour nous quitter les vents. Ou même matin, hein? On va dans rien pour quitter pour quitter tout. Qui soit bien pour quitter pour quitter tout matin, c'est les vents. L'île. Le testament spirituel. Mais, qui ça me voulait parler en plus? Je veux parler où? La plénitude. L'expérience de la plénitude en Christ. Pas qu'à des chrétiens sans expérience. Et maintenant, parce que Philippe fait l'expérience sans la matière. Et ouais, puis l'église, il est dans le même. Est-ce qu'on a là, hein? Est-ce qu'on a là? Il voit que l'église, il est seulement lancé le message, il s'est regardé où elle est entourée, où tout le monde a prouvé, mais ça, la vie fait l'expérience. Si il y a l'autre côté, il a parlé l'église mal, mais lui-même, il a dit pas là, c'est différent. Et bien maintenant, je vais prendre le premier monde qui fait expérience avec Jésus-Christ maintenant. Souvent, on fait expérience avec Jésus-Christ, Almanel. Ou pas qu'à chrétien. Ou pas qu'à chrétien. Hein, ou pas qu'à dire. Mais ça, mon Dieu, fait pour. Ou pas qu'à chrétien. C'est témoignage, mon ou pas. Ou le guide pour témoignage. La pas besoin d'avoir l'église. La pas besoin d'avoir l'église. Ou le guide pour témoignage. Ou pas qu'à prendre l'église, mon. Pour activer ça, pour lui faire pour. Achetez pas. Et alors, je ne peux pas me dire ça que Jésus a fait pour moi. Alors, parce que pour me dire que je ne peux pas aider ma compagne, pour me dire que je retire le costume, pour me dire que je suis chemise pour moi, et pour me dire pour rien ça, qui est bien pour moi, je ne peux pas me dire parce que j'ai mon cancer à la donne. Parce que 10 ans à cancer. Et tellement, et quand c'est sa terre, nous sommes sortis. Nous avons dit à côté là, et vous parlez de ce point. Vous cherchez votre maillot là, pour danser votre sorcière. Parce que mon père, car tout docteur, maman n'a pas passé à l'école, nous pas guéri. Nous pas guéri. Nous sortis. Ça, c'est expérience. Que je fais avec Christ. Et comment on va guérir? Comment on va guérir? Et pas oublier, avant de pas comment on va guérir, je dois me dire là, c'est seulement pour moi ça, je vais faire opération. Je fais opération dans tous les pays. Et pas guérir tous les deux. Mais pour moi ça, lui-même, qui a un cancer là sous lui, il prie à guérir comment? Miraculeusement. Et pendant que je jouais, quand je suis sur le frappe du jour, et puis je me couche, je me dormi. Et pendant que je dormi, et puis mon frère a un petit frère, puis il a sur le vol, il me dit oui, je vais aller, je vais m'entendre, je vais aller au soleil. Et puis il est allé, et dans la douche pour me baigner, et puis je me suis senti la chemise à couler. Et puis il est allé, mon saut, longueur ça. Qui sorti en l'homme. Et prends soi, mettez mon papier, m'a suivi. Et depuis là, me frotté avec vous, m'a fait bien douleur. Est-ce que là, hein? Est-ce que là, elle est bizarre? Pendant ma l'école, elle vient faire exprès, me frappe pour nos amis. Parce que longtemps, elle frappe même, faut obéir, tellement pour elle a fait mal. Et puis, l'homme gagne pour nous là, nous ne pouvons pas sentir douleur, mais ça fait exprès même. Vous frappez, monsieur. Je vais dire non, la fille, qui sont là, on frappe pour ça. Je dis, mon chef, peut-être pas frapper. Je dis, on va faire pas pour tout. Là, on va vous envoyer l'église là. C'est pas le bagage qu'on fait, on va faire une respect. Expérience. Est-ce que ça, moi, est-ce que c'est ça? Laissez-vous, matin, pour un miracle, mon Dieu, va le faire où? Ou prendre tellement ses dix, ou est-ce que ça, moi, est-ce que c'est ça? Alléluia. Vous ne pouvez pas, mon Dieu, va le faire où? Vous ne pouvez pas le mettre en matière. Parce que lui dit, celui qui place en moi, le appui, il trouve dans le cœur.
les chemins tout droit. Vos chemins vous les tracez pour ma terre. Amen. Pour qu'il ait un plan réalisé bien et tout le monde. Après 3 jours. 3 jours, pour ça. Malgré l'odeur, je vais passer de l'oxygéné, je vais mettre métadine, je vais mettre sur chacol. Après 3 jours, placement de lui. Amen. Parce que le diable n'a pas d'accord.
si je ne vais pas chanter, qu'on aime ta. Un trois jours, en forme, il retire le jour à 100 moutons. 100 moutons! Il sent une nécessité d'avoir expérience, l'expérience avec Jésus-Christ, en forme. Merci. Ouais. Au cancer, pas de 10 ans. Ouais. Il va sortir là-bas. Pour le web, jeune fille. Tu as prononcé dans l'évangile, ouais. Maintenant, il va sortir là-bas. C'est bon, Dieu fait ça. Allez, on dit, oh!
Papa Marie, on l'a dit. Vous faites ça, vous connaissez. Et c'est là qu'à l'heure, vous êtes venu, nous avons prié. Nous avons branché nous. Nous avons cherché mon Dieu. Vous avez fait un bagage extraordinaire. Peut-être que ce n'est pas ça, nous-mêmes, nous avons prié, non, mais c'est comme ça qu'on dit faire. Parce que l'un et l'autre, vous avez touché Jésus. L'Éternel dit Joseph, prends Marie avec petite là, caché en Égypte. Et Moïse va aller Joseph au deuxième songe, il va dire où mettre tout le monde en Israël. Parce que le monde qui a cherché tous les petits, la fière liberté. Et moi, tout le monde est content comme là. Si ennemi n'a pas contre ça, si fier liberté, peut-être que vous le voyez. Et moi, tu encore si fier ennemi, peut-être que c'est l'envie où c'est pour le voyez. Malheureusement, hier, monsieur, ça a atterri. Il mourit. Et bien, le Seigneur retourne la caille grâce à Dieu. On dit alléluia! 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 Mais si mon Dieu, on va servir à la même chose. Si mon Dieu, il est fort, il est puissance, on va servir à. Et nous glorifions le nom de Dieu. Nous allons faire des émouvements, nous allons faire des grands convertis. Mais, la Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Et bien, pas là encore. Et bien, le Seigneur dans la caille, il y a. Et grâce à Dieu, par les bimas, nous glorifions le nom de Dieu. Levez-moi en l'air. Vous allez dire, mon Dieu, merci. Et vous ne pouvez pas comprendre ça que fait matin, non? Vous ne pouvez pas comprendre ça que fait matin. Parce que matin, il va te dire qu'il a prêché matin. C'est pendant là, la dit-on des paroles, la ligne, fait un programme, non? Et moi, avec nous, t'as parlé entre nous-mêmes ou lui-même. T'es dit, parce que même si c'est 10 minutes, c'est pour que mon Dieu dit, on prêche, il prêche. Elle dit, t'as comment je suis, nous, nous, on t'es parlé avec. Et mais ça, on t'es t'a fait. Et même, on. Tu vas dire, mon Dieu, merci. Parce que miracle, pas on l'a fait déjà matin. Tu vas dire, mon Dieu, merci, parce que guérison, pas on l'a fait matin. Deuxième matin, nous sortons, il y a une porte qui va ouvrir pour l'église à Chassier.
Dieu. Il n'y a plus de chaîne qui va te péter pour les villages, c'est Dieu. Il n'y a plus de maladie qui va te guérir, c'est Dieu. Parce que témoignage là, expérience personnelle, nous, avec le Seigneur, c'est pour nous faire diverses amour. Nous disons merci, 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 merci encore, c'est Dieu, ma face. Nous demandons aux présents du Seigneur, nous demandons plus de présents sur Jésus. Dirigez pour nous assier Dieu, à travers les succès, à travers la congrégation, qui t'a chanté ma terre, Dieu, et spécialement à travers le pasteur, entre les maternités et les oisiens. Oh Seigneur, nous disons merci, merci, merci Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dès maintenant et à jamais. Oui Seigneur, acceptez prier nous encore vers cela. C'est pas parce que nous devons pour ça, mais dans le nom de Jésus. Siècle de siècle. Amen. Souvre un peu de monde, dit que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous sauve. Que l'Éternel vous délivre. Qui est délivré. Délivré. Non pas à nous, Éternel. Non pas à nous. Mais à ton nom de la gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Sous parole ça, yo, nous recevons grâce, papa, à mon petit là, protection cet esprit saint, gardez cœur nous, pensez nous et conduis nous dans la sainteté, dans la victoire, dès ce matin et pour toujours. Allez en paix, bon dimanche et bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pas oublier quand il y a baptême, s'il vous plaît. Prêtez pour nous, le papier bio, pour longtemps.